Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog. Je vais à Berlin, là dans quelques heures, je décolle vers 13h. J'y reste pendant une petite semaine, je repars mardi prochain. Je sais pas si je vais spécialement vlogger ou pas. J'ai pris la petite caméra là, comme ça je vais pas être encombrée avec mon matos que j'avais avant, l'appareil photo, le trépied et le micro. Je fais quand même une petite intro parce que sait-on jamais si je décide finalement de poster ce vlog. Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, si je vais avoir envie de vlogger tous les jours vu que je reste 8 jours. Donc ça sera à voir. Mais en tout cas si ça sort, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec mon super intro et direction l'aéroport parce que sinon je vais être en retard. Et direction Orly. J'ai pris un vol EasyJet. Sauf que EasyJet, il faut prendre un seul bagage. Sauf que je vais pas porter tout ce que j'ai besoin dans mon sac à main, je vais pas le mettre dans mes poches, tu vois. Du coup, je vais voir comment je vais faire, mais genre ça me fait chier, tu vois. Genre j'ai mon passeport, j'ai plein de trucs, j'ai mes sous et tout, et fait chier, genre je vais pas tout mettre dans mes poches. Donc, on va essayer de gratter un peu de ça, mais je sais pas comment je vais faire. Bref, faut que je me prépare pour y aller. Je pense que je vais partir à 10h, entre 10h30 et 11h pour être tranquille. Il n'y a pas beaucoup de temps pour y aller, genre il faut une heure. Je vais être grave en avance, genre grave en avance. Mais il vaut mieux que je sois grave en avance que genre grave en retard. Parce qu'un avion, quand même, c'est grave tendu si tu le loupes. Et après, il y en a genre pour peut-être une heure de vol. Yo, on se retrouve. Nothing in the room but the silence. Nothing. Nice. And when the beat goes back, you scream the shit out of you. Are you ready or what? One, two, three. I still don't give a fuck.
Bonjour à tous. Non, en vrai, je sais pas pourquoi je fais une intro parce que j'aime pas ça. Mais anyway, aujourd'hui, petit événement cool, comme la dernière vidéo. Petit tatou en vue par Onzop Tattoo. Franchement, ça peut que être grave cool, donc on va y aller. Je vais vous filmer ça. Est-ce que je suis clairement la seule à utiliser cette casquette pour éviter que mes cheveux gonflent? It's it's a spéti, and inside of it it's naturel, vraiment relax. C'est quand tu viens? Ah bah non, on a couché ici il y a 2 semaines, 3 semaines, c'est plus nouveau en fait, on ouvre officiellement le 5 avril. Vous avez fait votre soirée de... Le 5, ouais. Le 5 c'est une grosse soirée, on va tout changer à l'intérieur, et puis 6 et 7, on a 19 artistes qui viennent pour Flash Day. Ah oui, bah. Ouais, pas mal de potes. On a dû limiter, mais... Parce qu'on peut mettre que 2 artistes par station, donc du coup... Ça va, t'aimes bien l'endroit? Ouais. On va encore mettre plein de trucs sur les murs, on est un peu petit, mais nous on s'en fout, tu vois, du moment qu'on a des murs, après on est là pour 5 ans, on a le temps. J'essaie de tout créer au fur et à mesure aussi ici, avec ce qu'on crée, et pas juste acheter des trucs. Quoi. Ouais. Hein? C'est longtemps le dernier tatou? Ah ouais, ça. Puis en plus, là j'en ai fait un en décembre, janvier, février. Uh-huh. Et puis j'ai fait en mars, j'en ferai en avril. Ok. En France ou Ouais, en France. Et puis je suis en Amérique, c'est chez Sosa Batu. Ah ouais, ok. J'aime bien ce qu'elle fait aussi. Ouais, mon père et que ça arrive aussi, donc là-bas, du coup, je vais. Ok. Ça va, pourquoi comme ça? Voyons voir ça. La meilleure partie des tatouages. Ouais. C'est parfait. Oh. Bon, voilà, nouveau tatouage. Boum boum boum. Je suis clairement en train de vivre ma meilleure vie. Petit tatouage, petit hamburger après le tatouage.
wanna, who I wanna start to pray. I'm an opportunity. Hey! 1, 2, 3, 4! Hey! Doesn't mean you are alive. Hey!